Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Prison RP. Hein, c'est une rediffusion de live. Je tiens à préciser que c'est tiré du même live que la vidéo auparavant où j'étais une grosse victime. En gros, il y aura trois vidéos. Là, c'est la vidéo « Je suis un thug », en gros, je vais essayer de faire plein de petites choses. La prochaine vidéo, ce sera « Tentative d'évasion ». Et pour les personnes qui me donnent des conseils, etc., désolé, j'ai pas pu les appliquer. Bah pour cette vidéo, vu que c'est le même live, je savais pas qu'on n'avait pas le droit de dire le prénom dessus, à la base qu'on devait pas le savoir. Donc je suis désolé par rapport à ça, et par rapport à toutes les règles non-RP que je n'ai pas fait inconsciemment, parce que je ne savais pas forcément. Si vous voulez une nouvelle vidéo de Prison RP, n'hésitez pas à me le dire, en plus il y a une nouvelle version qui est sortie. Donc voilà, si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire. Moi je prends mon pied à faire des vidéos sur Prison RP, enfin des lives, et après que je rediffusionne. Donc voilà, ce sera à vous de me dire ça. N'oubliez pas aussi que les lives se passent sur Twitch, le lien dans la description. J'aurais plus le droit de faire d'annonce de live sur YouTube, parce que bah, vu que YouTube sur sa plateforme gaming, j'en ferai une vidéo pour expliquer, mais n'hésitez pas, sur Twitch, je pourrais plus faire d'annonce. Donc ceux qui seront pas là, ça sera un petit peu dommage. Passez un bon moment, et puis à la prochaine, portez-vous bien, et puis c'est tout, allez, bon visionnage. Alors quand on meurt, en fait, on a oublié sa vie qu'on a eu auparavant. Pour ceux qui savent pas, par exemple, j'ai plus mon couteau, et j'ai plus de pioche, donc... Bonjour la famille. Bonjour monsieur. Ici c'est les cellules d'isolement monsieur. Elle est là, moi ma cellule elle est là. Monsieur Lurking, j'ai envie de passer s'il vous plaît. Monsieur Lurking, je veux passer. Je suis bloqué. Monsieur. Monsieur, venez avec moi monsieur. Je suis bloqué. Faut que je retrouve mon copain. Faut que je le retrouve. Monsieur. Oui. Vous vous appelez comment? Moi, je m'appelle Billy, le troisième. Donc, tu l'avais décalé, merci. Vas-y, décale. Allez. Qui dégage ? Il y a quoi là-bas ? J'ai jamais fait gaffe. Personne ne regarde. Hey ! C'est quoi ça ? Ah ouais. Au calme. Voilà. C'est qui le patron? C'est moi. Non, c'est quoi cette tête qu'ils m'ont fait là? C'est pas beau. Cantine, tout le monde. Allez. Eh oh. On va manger la cantine. Monsieur. Mais je suis passé et je suis bloqué. En plus apparemment il y a des pattes périmées, ça va être trop bloqué. Ah bon, descend ou on monte, vous avez vos fesses. Les policiers bougez. Les policiers bougez. Mais dépêchez putain, j'ai envie de chier, bordel de merde. C'est les escaliers, on nous a dit de monter. Arrête de crier, arrête de monter. Il nous dit d'arrêter. Je vais mettre des patates direct. C'est toi qui as fait ça? Non, c'est lui là, le monsieur qui court derrière vous. Derrière vous, il s'enfuit. Putain. Bon, bah les steaks. Bonjour, Cyril Phillips. Ça vous dérange pas, je vous fais les fesses? What? C'est pas très RP tout ça, monsieur. À la cantine, s'il vous plaît, monsieur. À la cantine, tout le monde, s'il vous plaît. Mais, monsieur Aziz, le monsieur a volé, là. Il y a un monsieur qui a volé. Il a volé ? Non, pas lui. Ah, lui, dans la cellule, là-dedans. Ok, vas-y, tu l'empêches de sortir, attends, je vais juste m'occuper d'eux. Toi, mec, oui, à vos ordres, je suis votre suppositoire. Va bouffer, dépêche-toi. Dépêche-toi. Allez bouffer, les gars, allez bouffer. Allez bouffer, s'il vous plaît. Allô, va bouffer, mec. Toi, tu restes ici. Oui, je reste ici, je vous seconde, monsieur. J'ai rien du tout sur moi. Putain, je te balance direct. Tu voulais pas que je reste avec toi? Oh, il sort le bazooka direct. C'est là, que j'avais peur. Il a été comme ça devant moi. Allez, c'est là. Tu bouffes. Ah, je sors, pardon. Non, tu bouffes plus, tu restes ici. Tu restes ici. T'as mec qui va ici, Billy, viens. Je peux pas rentrer, monsieur. What? Ah, oui.
Ah oui. Ah oui. Ah oui. Merde. Bonjour Aziz. Agnès, pardon. Monsieur Agnès, je sens que vous êtes très gentil. Oui. Peut-on discuter en privé, si ça vous dérange pas? Il m'a dit pas de soucis, il est pas mieux. Monsieur Hanis! Monsieur Hanis! Ah oui, excusez... Monsieur Hanis, pardon, excusez-moi. Monsieur Hanis, est-ce que vous avez accès à la porte? À la porte dans la cour, pour s'évader? La porte dans la cour pour s'évader. Est-ce que vous avez accès pour l'ouvrir? Je suis prêt à payer très cher. Je peux ouvrir toutes les portes. Comment? J'ai pas entendu, monsieur. Je peux ouvrir toutes les portes. Dans ce cas-là, je suis très intéressé. Quel est votre prix? Dites-moi tout. 3000. D'accord. Pour 3000, vous m'ouvrez tout. Comme ça, j'ai envie de m'évader. J'ai envie de voir la nature, etc. Je vous paye la moitié maintenant et la moitié après. Ça vous va? Ok. Par contre, pour 500 de plus... Le petit extra, ma petite technique, tu vois. D'accord, donc en gros, ça fait combien en tout? 3500. Entendu. Donc je vous donne 1500 maintenant et 2000 après la réussite. Voilà. Attends. Tiens. Ça va te servir. Merci. Je me braque à partir quand on est dehors et j'ouvre tout. Attendez, monsieur, il faut que je vous paye avant. Je suis un homme de parole. Oui. Ah, mais c'est juste pour t'expliquer. C'est ma première évasion, je suis tout excité. Cool. Sors pas ton arme maintenant, sors quand même. Oui, non, non, c'était juste pour tester. Moi, je vous le dis. Tu veux le faire maintenant ? J'aimerais bien, surtout que là, c'est pendant le temps libre, si c'est possible. Ou si vous... On est parti. C'est parti. Et moi, je vous le dis. C'est quoi ce flic ? C'est un flic corrompu, écrit là-haut. Regardez, en dessous de son pseudo. Anis Zitoun, gardien corrompu. C'est pour ça que j'ai fait exprès de discuter avec lui. D'accord. Il y a des miradors là-haut. Putain. T'as rien? Bonjour. Bonjour. Vous pouvez aller voir s'il te plaît le mec là-bas. Lequel? Celui qui pioche avec le tchernia. D'accord, je vais aller le voir. Putain. Merci. Maintenant tu sors l'arme. D'accord, je sors l'arme, c'est ça? Oui, oui. Je peux fuir! Je m'enfuis! Oh putain! Vite! Aïe! Vite, vite! Évasion, évasion, évasion! Au bout de... Putain, mais comment on ouvre cette porte? Merde! J'avais pas vu passer des attaques, j'avais pas vu. Vite! Elle plie! S'il vous plaît, aidez-moi! Oh. Monsieur Lipaille, j'aimerais vous parler, s'il vous plaît. Toi là que tu viens de faire, tu vas être emprisonné. De moi? De moi que vous parlez? Oui, s'il vous plaît, j'aimerais vous parler. Venez avec moi, pas ici. Pas ici, venez, monsieur.
Alors, monsieur, je dois vous payer combien pour un assassinat? C'est uniquement 200 euros, parce qu'aujourd'hui, j'ai fait des réducs. Bah, c'est parfait, 200 euros. Attendez, je vous fais une demande. Alors, expliquez-moi un peu le problème de la situation de... En ce moment, de qu'est-ce qui se passe, de qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, c'est un prisonnier, il m'a menacé, il m'a dit « S'il le regarde mal, il me tue. » Du coup, bah, j'aimerais le tuer avant qu'il me tue. Oh, oui. Souvent, je vois faire des cas comme ça. Vous avez marre de me demander mon guipène directement. Voilà, j'ai fait une demande, maintenant je vous paye. Ouais, t'es parfait, t'es tout comme il faut. Écoute, je vous rends contact quand t'es fait, d'accord? Non, mais Non. Je vous fais confiance. On m'a dit que vos services étaient impeccables. Je vous fais confiance. Ouais, t'es vrai, je m'entends plutôt bien. Merci, allez, bon courage. Et faites-le souffrir. Vous avez une idée de l'endroit où je trouve? Il est à la cour, là, à la cour. D'accord, parfait. On va essayer de la douche en plus, c'est parfait. T'as... Voilà, vous allez pouvoir le pénétrer. Monsieur Yasser, dégagez, tout de suite. Sinon. Ok, vous savez où il y a par qui le transsexuel là? Toi, je me rappelle hier quand tu étais venu de la prison la première fois, je t'ai vu aller, toi qui? Attends, mais j'ai la tête de la cantine. Vas-y, je vais aller manger. D'accord. What? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ils se sont trop enculés, ils sont morts comme ça. What? Bisous, à demain pour les balles. Bravo, j'ai tout laissé être mort. Bravo, j'ai tout laissé être mort. Ah, tu l'as déglingué. Qui l'a tué? Yeah. Non, j'ai cherché un truc, c'est mec. Il y a eu du massacre. Tout ça, c'est mec. V'là le massacre. Qui l'a tué? C'est Jackie. Mais c'est Jackie. Elle est dans la côté, monsieur. Le monsieur qui l'a tué, elle est dans la côté. I believe I can fly. Allez-y, vous, monsieur. Arrêtez-vous. Oui, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Ah, si vous voulez, je vais me contre le mur, vous pouvez me faire une fouille anale pour vérifier. Ok, vas-y, monsieur, allez-y. Ah oui, j'aime les fouilles anales. Tu me suis? Pourquoi? Non. Non, excusez-le, c'est mon cousin, il a des problèmes. Excusez-le, monsieur. D'accord. T'es jaloux? Ok, t'as rien. Voilà. Monsieur, on va manger. Ah oui, je me suis trompé de chemin, désolé. Mais laissez-le tranquille, il est gentil, il a rien fait. Laissez-moi passer, je lui dis de manger, vous inquiétez pas. Non mais on veut juste faire la mort, tu vois. Faut que tu dégrades. Ah, ouais, je vais essayer de ta Starcross. Ouais. Vas-y, je ferme les yeux. Vite. C'est un piège, ça. Piège, on est en prison. Allez-y. Vous êtes si sexy, monsieur. Oh! Allez-vous... La fragilité. Monsieur Cyril, auriez-vous une petite substance pour courir super vite? Bonjour. Bonjour, monsieur Anis. Bonjour. Au sol. Là, devant. Qu'est-ce que ça m'a coûté? Oh putain! Oh punaise! Oh! Je... Oh putain! J'en peux plus! C'est quoi ce mec? Putain, j'arrive pas à monter! Oups! Qu'est-ce que tu viens de mourir? Voilà, j'ai la maladie, allez moi, mec! Voilà, attends, n'importe quoi! C'est quoi lui? Elle pue plusieurs fois sur l'espace!
Je fais une sieste, bonne nuit. Eh bien, mec. Ouais. Eh, bonjour, monsieur. Attendez, attendez. Oui, t'as quoi? Qu'est-ce que t'as? Je peux pas le prendre. Je peux pas le prendre, merde. T'arrives pas? Merde. Non, je peux pas. Alors, on va prendre quelqu'un dans la cellule. On fait comme d'habitude. On peut pas la prendre, celle-là, d'accord? D'accord. Tant qu'il va essayer de la prendre, et ben on va le taper avec les poings. Il n'aime pas d'argent. Ah oui, magnifique. Attendez, on va trouver quelqu'un. Oh, il a une bonne idée. C'est parti. Oui, je fixe le mur, monsieur. Monsieur Aziz! Monsieur! Bah oui, on disait que vous étiez un type bon. Ah mais c'est comment vous trouvez bon et qui va vous tirer dessus là avec une arme là-haut. Monsieur le gardien, il y a un mec là-haut qui vous fait un doigt. Il y a un mec qui vous fait un doigt là-haut. Où? En haut, remontez en haut. Il est parti vers la cantine. Il a fait un doigt, il a fait nique la police, il est parti. Vers la cantine. Je vous laisse, mais vous avez de la chance, vous avez rien. Au revoir. Merci. What? Et Nisco, tu peux ouvrir la porte, s'il te plaît? Eh merde. Attends. Eh merde. Venez, on va dans le bloc rouge. Dans le bloc rouge, je pense que c'est ouvert là-bas. Allez-y. Ah, c'est bon. Nickel, c'est le bon. Attendez, j'ai une idée. Oui, qu'est-ce qu'il y a, monsieur Philips? Tu veux de la drogue pour sauter les grilles et pour parler discrètement dans le local? Bah, ce qu'on va faire, attends, on fait cette affaire, monsieur Philips, et on va prendre de la drogue, on va faire une évasion après. Ne vous inquiétez pas. Attendez, monsieur, chacun son tour. Voilà, chacun son tour, monsieur Philips. Bon, monsieur, laissez-moi faire. Monsieur, alors, on va jouer un jeu, d'accord? Je vais poser une arme par terre et vous allez essayer de la prendre. Euros, hein. Si vous arrivez à prendre l'arme, monsieur, je vous passe 500 euros. Si vous n'arrivez pas, vous me passez 500 euros, d'accord? Il faut que je mette la voix dans votre main, d'accord? Ça m'a tout l'air d'une escroquerie. Je vais cramer. Mais là, monsieur, regardez, c'est une vraie arme. Hein. Regardez. Elle a pris. What? Allez-y. What? Il l'a pris? Dans votre main, monsieur. Mais comment il a fait? Voilà. Ciao. Je l'avais dans votre main. Impossible. Plus quelques secondes, monsieur. Arrête de mentir. 3. Dépêche-toi. 2, je suis un mec qui parle pas, qui tape direct. Aide-moi, moustachu. 500 euros. On aura ta peau. Mais non. Oh là, oh là, oh là. Blaise à quitte. Contre le mur. Contre le mur. Bouge. Contre le mur, vous deux. Comme putain, pourquoi je fais toujours griller? Tournez-vous. Voilà, monsieur. N'importe quoi, je suis malade. Oh putain, ils m'ont mis au mitard. C'est un abus de pouvoir ce que vous faites. Abus de pouvoir. Ah. Tu veux savoir si j'ai fait quoi? Les cochons c'est bon, les cochons c'est rigolo. Monsieur, s'il vous plaît, simple contrôle. Oui, allez-y, fouillez-moi, je lui mets son coin. Allez-y. Rien du tout. Voilà, vous pouvez les faire voler ta femme. Merci. Parle bien. J'ai fait voler ta femme. En victime. Touchez pas mon ami. Victime. Contre le mur. Bouge plus.
Monsieur le garde, il a insulté votre mère. Ça me plairait pas. Ok, vous deux sortez. Allez, sortez. On s'occupe de lui. Vas-y, regarde, arrête-le. Bon, s'il vous plaît. Non, non, non. Restez ici. Mon amour. Menace. What the Oh, il la ken direct. Regardez comment il est parti. Ouais, je veux vraiment quelque chose pour speeder. Que je me sens lent, je me sens fatigué. Je pense que c'est les runes qui te font. Ouais, je crois. Allez-y, je vous fais confiance. Ouais, qu'est-ce qui m'a... Je vois rouge. Aidez-moi. C'est pas ça? Non, c'est pas ça. Non. Non, là je vois tout rouge. J'ai l'impression d'être un vampire. Je suis un vampire. Je vois tout rouge. Aidez-moi, monsieur. Merde. Je vais manquer le pour les serres de cocaïne. Je vais manquer. Il était un petit garçon qui est mort d'une overdose.